La frontière, troisième partie, l'espace frontalier. La référence bibliographique utilisée pour préparer cet exposé, le dictionnaire de géographie des éditions Attier. La frontière ligne sépare deux territoires, mais elle mène également à la constitution d'un nouveau territoire. Ce territoire frontalier s'étale de part et d'autre de la limite. Il peut constituer une zone déserte. Par exemple, la frontière entre l'Afrique du Sud et le Botswana pendant la période de l'apartheid constituait un no man's land de sécurité s'étendant sur plusieurs kilomètres de large. Il peut être aussi, cet espace frontalier, être une zone privilégiée de passage d'échanges, notamment lorsque les systèmes socio-économiques en place dans les deux pays sont différents. L'espace est alors un espace marché qui tire parti de ces différences. L'exemple qui peut être pris ici est celui de la frontière luxembourgeoise. Cette zone peut même en arriver à développer une dynamique totalement différenciée de la dynamique existante dans les pays contigus. Dans ce cadre, elle peut même devenir une sorte de région autonome, tant économiquement que socialement, voire politiquement. L'exemple des villes-marchés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso montre comment sont gérés de façon indépendante certains territoires par rapport au pouvoir et aux gouvernements nationaux de ces deux pays. D'une façon générale, toute frontière induit un paysage et une pratique de l'espace particulier. Dans la plupart des cas, la zone frontière est un espace à l'écart du développement du pays, une marche ou un confin, c'est-à-dire une zone située à l'extrême limite du territoire et considérée comme loin de tout. En témoigne la situation géographique des capitales, qui ne sont que rarement situées à proximité des frontières. Le développement historique de l'État s'est souvent fait à partir de ses sièges de pouvoir. Des exceptions, bien sûr, existent. Ici, sur les cartes qui vous sont proposées à l'écran, vous voyez le cas de l'Union européenne, où généralement les zones les plus développées économiquement, donc celles en plus foncé, sont situées au centre, ou en tout cas loin des frontières du pays. Par contre, vous voyez que sur l'image de droite, dans certains pays d'Afrique, les capitales, et donc les régions les plus développées à la fois politiquement et économiquement, peuvent être contiguës d'une frontière. On a même le cas où deux capitales sont vraiment situées de part et d'autre de la frontière, dans la République démocratique du Congo et dans la République du Congo-Brazzaville. La zone frontière peut être évidemment marginale, mais elle peut aussi se développer, ou en tout cas évoluer, dans deux directions contradictoires ou opposées. Dans le cas d'une frontière ouverte, on aura bien sûr l'apparition d'une zone d'échange. Dans le cas d'une frontière fermée, on aura l'apparition d'une zone de contrôle qui débouchera elle-même sur un no man's land. Voyons ces deux cas plus en détail. La frontière ouverte est d'abord une frontière qui n'est pas contestée. Chaque acteur spatial reconnaît l'existence de cette frontière. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de compétition entre les États séparés par cette frontière. On verra donc le développement d'échanges d'un pays à l'autre par cette frontière. Il y aura de fortes migrations d'individus qui iront travailler généralement de la zone la moins favorisée économiquement vers la zone la plus favorisée économiquement. On voit bien ça ici sur la carte où la région frontalière du Luxembourg offre la résidence à bon nombre de travailleurs qui iront le lendemain travailler au Luxembourg où les conditions sont à la fois meilleures et où l'activité économique est plus importante. Il y aura bien sûr des besoins de coordination entre les différentes autorités qui devront, ne fût-ce que dans le domaine des transports, prévoir des mesures pour se mettre d'accord et pour pouvoir valoriser ces échanges. On aura donc visuellement l'apparition de routes perpendiculaires à la frontière qui permettront bien sûr aux individus et aux marchandises de transiter par cette frontière. Comme pour la frontière ouverte, la frontière fermée n'est pas contestée au niveau international ni par les acteurs spatiaux. Par contre, au lieu d'être le lieu de coopération et d'échange, elle est le lieu d'une tension et d'une opposition. Dans le cas d'une frontière fermée, comme l'ancien rideau de fer ou la frontière actuelle entre les deux Corées,
La zone frontalière est du moins d'un côté une zone sous haute surveillance militaire ou policière, et elle est coupée par de nombreux postes de contrôle reliés entre eux par des routes parallèles à la frontière. Cette zone était nommée Lime dans l'Empire romain, terme désignant le chemin et par extension l'ensemble de la frontière. Les nationaux sont généralement exclus de cette bande qui constitue alors un véritable no man's land. Cette vidéo est ici terminée. Nous aurons rendez-vous directement sur Schoology pour le quiz. N'oubliez pas les questions que vous pourriez poser en classe et je vous souhaite une bonne fin de journée.